Beaucoup de théories circulent autour du post-workout. Pour certains, il est un incontournable et si tu ne consommes rien immédiatement à la fin de ta séance, alors c'est limite si ta séance n'aura servi à rien. Pour d'autres, ce concept est has-been, inutile, démodé, moche et pas beau, et ce qui compte, c'est le nombre de calories consommées sur la journée, point barre. En ce qui me concerne, j'ai très longtemps été dans le team premier groupe, surtout qu'à mon époque, le concept de fenêtre anabolique qui correspondait à cette heure d'or qui suivait l'entraînement, eh bien ce concept était reconnu comme étant un fondement de la croissance musculaire. Aujourd'hui, mon point de vue a un peu changé, néanmoins je ne me trouve pas non plus dans le cas du second groupe à penser que la nutrition post-workout ne sert à rien, juste je suis un peu plus nuancé. Parce que oui, la nutrition post-training a une utilité, mais c'est comme tout ou presque dans la musculation, rien n'est gravé dans le marbre et il y a un travail d'adaptation à faire. On va donc en discuter dans cette vidéo et rester bien jusqu'à la fin puisque je vais vous apporter beaucoup de nuances tout au long de cette vidéo et je vous donnerai à la fin mon avis sur les différents cas de figure pour adapter votre nutrition en post-training. Générique. Bonjour à tous, je suis Bika, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Avant toute chose, je vous laisse, comme d'habitude, vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo, la partager, y laisser vos commentaires, etc. Et oui, toujours le top pour le référencement. Je vous invite aussi à venir voir mes offres de coaching, mes plans alimentaires et d'entraînement et ma gamme de compléments alimentaires en cliquant sur un des liens dans la barre de description ci-dessous. Donc aujourd'hui, on va parler du principe de la nutrition post-workout ou post-entraînement. Et déjà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit tout simplement du repas sous forme solide ou liquide que l'on va consommer plus ou moins rapidement après un entraînement de musculation. Ce principe du post-workout a plusieurs buts bien distincts. Tout d'abord, stimuler la croissance musculaire via l'optimisation de la synthèse protéique, mais aussi prévenir le risque de catabolisme. En effet, si on ne donne pas au bon moment de notre corps les acides aminés dont il a besoin pour réparer les tissus musculaires abîmés pendant l'entraînement, il n'y aura pas d'autre option que puiser ceci dans nos muscles. Et il était démontré que le post-workout peut ici avoir de l'intérêt. En effet, en post-training, la synthèse protéique est plus élevée, mais le catabolisme aussi. Or, si l'on ne se nourrit pas de manière adéquate en post-training, le catabolisme peut finir par prendre le dessus sur la synthèse protéique. D'ailleurs, de toute façon, d'un point de vue général, notre but doit toujours être que la synthèse protéique soit plus élevée que le catabolisme protéique. C'est tout bête, mais c'est ce qui fait la différence entre prendre du muscle et perdre du muscle. Mais le post-workout a aussi pour objectif la réplétion des stocks de glycogène qui ont été au moins partiellement vidé par la séance de musculation qui a précédé. Et cette réplétion est d'ailleurs elle aussi une prévention face à un éventuel catabolisme en cas de besoin d'énergie plus tard après la séance. Car si le corps ne dispose pas d'assez de glycogène pour faire face à un effort du style par exemple votre prochaine séance de musculation, eh bien il peut être amené à utiliser les acides aminés présents notamment dans nos muscles pour s'en servir à des fins énergétiques. Scénario catastrophe. Et qui plus est, le fait de consommer immédiatement des glucides après le training permet de profiter de ce que l'on appelle le phénomène de surcompensation glycogénique. C'est-à-dire que l'on resynthétise encore plus vite du glycogène à ce moment-là. Et c'est dû au fait qu'en post-training, une quantité de glucose plus importante peut pénétrer dans les cellules, car l'enzyme qui facilite le stockage du glycogène, la glycogène synthase, est plus stimulée à ce moment-là. Pour résumer donc, la nutrition post-workout a pour objectif de stimuler la synthèse protéique grâce à un apport en protéines encore plus qu'elle ne l'est déjà en post-training du fait de l'entraînement seul, d'éviter le catabolisme musculaire via les apports en protéines et aussi en glucides, de restocker du glycogène pour répondre à ses besoins énergétiques à suivre. Jusque-là, c'est clair. Mais maintenant qu'on a vu tout ça, on va quand même devoir apporter une petite nuance, puisqu'il y a en effet d'autres variables à prendre en compte au sujet de la nutrition post-training, notamment en ce qui concerne le timing de vos apports. Si vous avez vu plusieurs de mes vidéos, dont celle qui concerne le pré-workout, vous êtes familier avec le concept de nutrition pré-entraînement, à savoir tout ce qui est consommé autour de l'entraînement, donc avant, pendant et après. Et ce que j'ai déjà dit à ce sujet, c'est que la réelle fenêtre anabolique se situe non pas nécessairement uniquement immédiatement en post-training, comme on l'a longtemps cru, mais dans les 5 heures autour de l'entraînement, ce qui donne lieu donc à plusieurs cas de figure. Par exemple, si vous avez mangé 2 heures avant votre entraînement, que votre entraînement a duré 1 heure, alors il vous restera environ 2 heures durant lesquelles vous pourrez consommer votre repas post-entraînement pour profiter de cette fenêtre anabolique. Et dans ce cas-là, alors pas besoin de sauter immédiatement sur votre shaker ou votre repas post-workout. Par contre, si vous êtes dans le cas où vous entraînez à jeun, ou si votre dernier repas date d'il y a plus de 6 bonnes heures environ, alors oui, on ne discute pas, il vous faut absolument consommer un repas post-workout immédiatement après votre séance pour vous éviter de vous retrouver dans un état de catabolisme musculaire. Parce qu'en effet, comme on l'a déjà vu, si vous n'avez pas un pool d'acides aminés disponible au moment où la synthèse protéique et la reconstruction musculaire sont initiées et où votre corps en a donc besoin, alors il n'a pas d'autre choix que d'en trouver en interne. Et ce qui risque de se passer dans ce cas-là, c'est qu'il va les puiser dans les acides aminés qui sont déjà présents dans nos muscles pour reconstruire les fibres musculaires lésées. Une sorte d'auto-cannibalisme qui n'a aucun sens. Donc à vous d'adapter selon votre cas personnel, si vous entraînez à jeun ou pas, en prenant en considération de quand date votre dernier repas. Donc quoi qu'il en soit, à mes yeux, le post
workout est important et ce qui est à discuter, ce n'est pas le fait d'en prendre un ou non parce que je trouve que oui, il en faut un, mais c'est juste vraiment le timing de sa prise qui doit être évalué selon votre propre cas de figure. Et juste un point avant de parler du choix des aliments. Je tiens à faire une petite parenthèse rapide parce qu'il y a quelque chose que je veux aborder. En effet, un certain nombre d'études souvent citées tentent à revoir à la baisse, voire à annihiler le réel intérêt du post-workout. Par exemple, une étude de 2009 a indiqué que le fait de consommer un shaker d'Isola ou d'Hydrolysa avait permis de garder le corps dans un état d'anabolisme pendant les 3 heures qui en avaient suivi l'ingestion. Et si en plus on ajoutait des lipides et des glucides à ce repas, cet état anabolique pouvait être maintenu jusqu'à 5 heures. Constat qui vient donc totalement supprimer l'intérêt de la nutrition post-training. Autre constat, cette fois en ce qui concerne la synthèse protéique. Une étude a aussi mis en avant que bien qu'effectivement nos muscles sont plus sensibles aux protéines après l'entraînement, la synthèse protéique est identique si l'on consomme ces protéines juste avant son entraînement. Et pour couronner le tout, une méta-analyse de 2013 est même arrivée à la conclusion que le post-workout n'avait pas franchement d'intérêt. Enfin, en ce qui concerne la répression rapide des stocks de glycogène en post-training, il faut aussi garder présent à l'esprit que c'est surtout intéressant d'en profiter si on s'entraîne par exemple en full body ou si on va s'entraîner 2 fois par jour. Sinon, on peut le faire simplement sur une journée, le résultat final sera le même. Et j'aborde ces études parce qu'il y a quand même une précision à apporter à leur sujet, c'est qu'elles ont été pour la plupart réalisées sur des sujets non entraînés. Et malgré tout, lorsqu'on analyse des résultats du post-workout sur des sujets entraînés, on peut constater des effets positifs sur la croissance musculaire, comme l'a indiqué une étude de 2007. Donc je persiste et signe et ça confirme ce que j'ai pu voir au cours de mes années comme pratiquant et comme coach, le post-workout a lui aussi un intérêt. Alors justement, maintenant qu'on a vu l'intérêt de celui-ci, on va voir quoi choisir, à mon avis, comme type d'aliment pour son post-training. Parce que la théorie c'est bien, manger c'est mieux. Alors on commence bien évidemment par l'élément clé, la pièce maîtresse, le clou du spectacle, la cerise sur le McDo. Vous l'avez donc subtilement compris, on va parler des protéines et du type qu'il faut choisir. En effet, les protéines sont le point crucial lorsqu'on fait le choix d'un post-workout du fait que leur apport va être une clé de la synthèse protéique par le biais notamment de la leucine qu'elles contiennent. En effet, les études ont montré que l'élévation rapide du taux d'acide aminé dans le sang via des protéines à digestion rapide permet une meilleure synthèse protéique comparativement à une source de protéines à digestion plus lente. Ici, le choix se portera donc sur une protéine assimilation rapide de préférence, et je trouve que dans ce cas, le mieux c'est soit un bon Isola de qualité ou un Hydrolysa de caséine. Et la vérité, pour l'Hydrolysa de caséine, il faut quand même pouvoir encaisser le goût qui est généralement pas top. On peut aussi faire le choix du blanc d'œuf directement après le training, car c'est effectivement une des meilleures sources de protéines et en plus hyper rapidement assimilée. Mais pour avoir son quota de protéines en post-workout via du blanc d'œuf, il vous en fera quand même une tonne. Et c'est pareil en termes de plaisir gustatif, du blanc d'œuf seul, ça ne vend pas vraiment du rêve. En plus, en sachant qu'on a désormais quand même accès à des protéines en poudre de qualité et bonne au goût, ça serait plutôt mon conseil. En ce qui concerne la dose de protéines à consommer, on considère qu'environ 0,5 g de protéines par kilo de poids de corps font l'affaire et on comptera quand même un minimum de 20 g de protéines de qualité, 20 g étant le minimum pour avoir notamment un apport en leucine assez conséquent pour une synthèse protéique correcte. En sachant qu'en augmentant cette dose à 40 g, on observe une nette augmentation de la synthèse protéique de l'ordre de 20%. Il sera par contre à noter que chez les personnes plus âgées, il faudra viser un minimum de 30 g de protéines par prise, puisqu'il semble qu'elles aient une réponse anabolique moins forte suite à l'ingestion de protéines. Il leur en faut donc plus pour un résultat similaire à des pratiquants plus jeunes. En ce qui concerne les glucides, on l'a dit, le but d'en consommer ici va simplement être la réplétion du glycogène qu'on a utilisé durant l'entraînement pour nous permettre d'assurer des efforts à suivre, comme par exemple notre prochaine séance, sans risquer de dégrader du muscle à des fins énergétiques. Et même si on l'a dit, si on ne s'entraîne pas 2 fois dans la même journée, il n'y a pas d'urgence de re-remplir ses stocks de glycogène. Il n'est pas non plus néfaste de le faire en post-training. Parce qu'en plus, il y a un autre gros intérêt à la consommation de glucides en post-training, et pas des moindres, c'est qu'ils permettent de générer un pic d'insuline, et qu'en plus, ils fonctionnent en synergie avec la leucine présente dans les protéines, qui agit elle aussi sur la libération d'insuline. Et comme on le sait tous, l'insuline est elle aussi une hormone très anabolique du fait qu'elle est une hormone de stockage. Elle permet donc de stocker rapidement des acides aminés, le pilier de la reconstruction musculaire dans nos muscles. D'où l'intérêt d'un apport en glucides aussi en post-training conjointement aux protéines. Maintenant, on reste à voir quel type de glucides on doit consommer idéalement après l'entraînement. Et bien ici, il a été démontré que ceux qui produisent une réplétion plus rapide des stocks de glycogène sont bien évidemment les glucides à index glycémique élevé puisque disponibles plus vite dans le sang. Et un autre avantage, c'est qu'en plus, les glucides à index glycémique haut vont aussi faire monter le taux d'insuline plus vite. Et on vient de voir l'intérêt de cette hormone dans le processus de reconstruction musculaire. Notamment via sa capacité à faciliter l'absorption des acides aminés dans nos muscles. Ici, les choix de glucides sont multiples. Si on veut manger solide, on peut privilégier par exemple des pommes de terre blanches, du riz basmati ou même des galettes de riz. Et si on privilégie le liquide, alors de la bonne vieille maltodextrine ajoutée à votre shaker d'Isola fera l'affaire. Alors je sais qu'il existe pas mal d'autres formes de glucides simples qui sont vendues sur le marché des compléments. Honnêtement, pour moi, ça relève peut-être plus du marketing et la différence au final ne sera pas visible en termes de résultats. Enfin, en termes de quantité de glucides, on considère qu'environ 0,5 à 1 g de glucides par kilo de poids de corps sont suffisants pour être consommés
jamais à ce moment spécifique qu'est le post-training. Bien entendu, c'est à ajuster selon la longueur de la séance, la grosseur du ou des muscles travaillés et vos besoins actuels selon que vous êtes éventuellement en prise de masse ou en sèche par exemple. En ce qui concerne les lipides, même constat que dans le pré-workout, leur consommation n'apporte rien de positif en ce qui concerne les gains de muscles à ce moment précis. Néanmoins, il faut garder présent l'esprit que le fait d'en ajouter peut ralentir l'absorption des nutriments, donc ça sera ajusté selon votre timing. Si vous vous entraînez à jeun, n'en consommez pas puisque vous devez digérer au plus vite. Par contre, si vous avez fait un repas immédiatement en pré-workout, vous pouvez en ajouter un peu dans votre repas post-workout. Et c'est vrai qu'on ne dit jamais non à une cuillère de beurre de cacahuète en plus. Alors maintenant, que faire de toutes ces informations et quelle est mon opinion sur le sujet? Eh bien, pour résumer, si vous êtes débutant, concentrez-vous sur la notion de nutrition dans sa globalité, à savoir avoir les apports corrects en termes de calories et surtout le fait de consommer suffisamment de protéines. Puis, au fur et à mesure que vous prenez de l'expérience et que vous atteignez le stade intermédiaire, commencez à porter de l'importance à l'alimentation avant votre entraînement qui est hyper importante. Et enfin, une fois que vous êtes un pratiquant confirmé, alors là, vous devez optimiser votre repas post-workout en ajustant notamment le timing par rapport à votre dernier repas. Car effectivement, passe un niveau, la nutrition post-workout est un de ces détails de plus qui va pouvoir faire la différence et vous aider un peu plus dans votre progression. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti à chaque sortie de nouvelles vidéos. Pour tous vos besoins en compléments alimentaires de haute qualité, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.bkperformance.com où vous pourrez retrouver toute ma gamme d'isolates protéines, d'acides aminés, pré-workout, brûle-graisse, complexe pour les articulations, etc. Pour toute information sur mes offres de coaching avec suivi, mes programmes personnalisés de diète et d'entraînement, retrouvez-moi sur mon site www.bkcoaching.com. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Snapchat où je vous partage des conseils absolument tous les jours et mon quotidien sous le pseudo bk-coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.